Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de renforcement musculaire. Donc moi c'est Jean-Christophe Madiot, éducateur sportif de Génération Fitness. Aujourd'hui le thème c'est donc renforcement musculaire dynamique. Donc travail sur les cuisses, puis ensuite un travail au sol qui sera assez complet. Et du coup c'est cardio. Ok, donc une fois de plus on va transpirer. Allez c'est parti. Alors, je l'ai dit, ce sera du coup assez cardio avec un rythme du coup au niveau de la musique plus rapide évidemment. Okay. Alors, les consignes de placement, vous les connaissez maintenant depuis le temps. On tourne dans ces vidéos. Les petits squats, les fesses en arrière, n'oubliez pas. Voilà. Allez, simplement les mains à l'intérieur pour l'instant. 4, encore. 3. Et on va engager un petit peu les épaules. 2. 1. Allez, les épaules en arrière. En avant. Et en avant. Allez, les bras sur les côtés. C'est parti. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, énergique, vous allez voir. Alors attention, on reste là sur un échauffement. Donc on va y aller forcément progressivement. Allez, comme d'habitude. Hop. Encore 8. Allez, 4 derniers, 3, 2, 1, seul bras, mais devant. Bras gauche, bras droit. Alors, je suis pas là chez vous pour vérifier quel bras, quelle jambe. Bras. Allez, c'est pas plus important, c'est ni un cours de step, ni un cours d'aérobic. Donc, ce qu'il faut, c'est bouger. Les deux. Allez, les deux à droite et à gauche. Les deux bras en avant. 8, 7, 6. Encore 4. 3, 2, allez, on reprend les épaules en arrière. C'est parfait. En avant. Allez. Remontez pas les coudes, c'est pas la peine, d'accord? Pas pour l'instant, en tout cas. En arrière pour 4. En avant. En arrière. Voilà. Tranquille, ça change bien les épaules. Et en avant, les trapèzes, bien sûr. 3. Allez, la pointe de pied au sol. Voilà, comme ceci. Vous laissez les bras pour l'instant, relâchez complètement. Encore. 8. Alors, cette fois-ci, je vais engager le coude. Allez, c'est parti. Coude gauche. Et gauche. Et gauche. Voilà, c'est parfait. Allez, on continue encore un petit peu. Même chose, le bras tendu. Allez, simplement. Impec. Allez, encore 8. Et relâchez les épaules. Allez, on reprend les flexions de jambes. Voilà, toujours aussi rapide. Donc, pas trop bas pour l'instant, évidemment. On va y aller tranquillou, comme d'habitude. Tranquillement, mais sûrement, comme on dit. 3. 2, allez, on commence déjà. On ralentit un petit peu et on va chercher un petit peu plus bas. Alors, qui dit travail plus dynamique, attention, on veut dire quand même de placer sa respiration correctement, surtout. Les mouvements bien exécutés, bien sûr, mais la respiration bien placée. Donc, j'inspire et je souffle. Inspire. Voilà, 4, encore. 3, voilà, c'est on s'échauffe vite, Je descends un peu plus bas déjà, moi. Voilà, à nouveau les rapides. C'est bon ça? 3, gauche, 3, gauche. Allez, les mains, les coudes à hauteur des épaules. Pas plus bas, pas plus haut, à hauteur des épaules. On accélère. Allez, 3, gauche. Hop, tac, 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 tac. Encore. 8, 7. On revient au milieu et les points. Alors regardez, j'ai fléchi les jambes. Ne restez pas droit ici, là on sécurise son dos, son bassin, ses genoux. Les fesses un tout petit peu en arrière. Voilà.
Encore, encore, encore. En bas. En bas. En bas. En bas. Allez. 4, 3, 2 sur les côtés. 5, 6, 7. À nouveau devant et. On reste tranquille, ça, hein, c'est tranquille. C'est histoire de se réchauffer le plus vite possible. Voilà. Des petits mouvements. Attention, je balance pas mes poings, surtout pas. Hein. On fait attention à ses coudes. Hein. On maîtrise son mouvement. Allez, on prend droite-gauche, pardon. 3, gauche, 3. Et vers le bas, et 8, 7, 6, 5, 1, 3, 2, relâchez complètement. Parfait. Ça va toujours? J'enchaîne, j'enchaîne avec les genoux. D'accord? Le genou gauche, par là-bas. 3, 2, c'est parti, genou gauche. Alors, ma jambe d'appui fléchit toujours le genou. Aligné hein, avec la pointe de pied, évidemment. Voilà. Donc j'ai mon centre de gravité, hein, que j'ai rabaissé un petit peu pour travailler un peu plus. Ma jambe ici est fixe. Hein. Allez, on change. Tac, tac, tac. D'accord. Bien fixe la jambe d'appui. Vous avez mon genou, il ne bouge pas. Hein. Il ne bouge pas. Je veux pas de ça. Pas de ça, surtout pas. Hein, d'accord. On ne monte pas, on ne descend pas. On reste, on a fixé la jambe d'appui. Bien. 3, 2, changez. Hop, tac. Allez. C'est important hein, ce petit rappel de consigne quand même. Pourquoi? Parce que des gens, sans doute, nous découvrent, Alex et moi, me découvrent aujourd'hui en renforcement. Donc, toujours l'habitude de placer les consignes de respiration, entre autres, et d'exécution. Donc, c'est important, il faut le faire à chaque fois. D'accord? Allez, même si on est habitué à travailler comme ça. Les quatre derniers. 3, 2, on se redresse, alternez. On cause, mais là, hein, ça va chauffer. Hein, d'accord? Bon. Si vous, ce n'est pas le cas, et bien travaillez plus bas la prochaine fois, d'accord? On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Hein. Direct, allez, c'est parti, 3, 2, genou gauche. Donc ceux qui n'ont rien senti devaient se trouver ici. Hein, il faut descendre, allez, on descend. 4, on va rester par ici, hein. 3, 2, et 1, et bloquez la jambe derrière, hop, et bon, allez, ça a l'air anodin, c'est un tout petit mouvement là, mais là, oui, oui. Allez, on sent bien. Si c'est pas le cas, vous descendez encore. Ouh. Et là, là, je fais intervenir mes ischio-jambiers en plus, hein, sous la cuisse. Allez, encore. Allez, allez. Là, on sent tout de suite. Hein. Et les 8 derniers. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, redressez. Genoux alternés. Tout ça pour vous dire que dynamique ne veut pas dire sauter partout dans tous les sens. Hein, d'accord? Là, vous avez vu, hein, très peu d'amplitude et beaucoup de travail. Hein, d'accord? Pas toujours facile à faire, ça. On y va, on change de côté. Allez, je prends le temps de descendre tranquillement. Hein. Je prends le temps de descendre. Voilà. Je place bien ma jambe. Tout va bien. Le genou, pointe de pied. Voilà. 3, 2, allez, tout de suite, regarde. Hop, hop. Et si c'est pas assez dur, je descends encore. Allez, je descends encore. Hein, mon pied à plat, bien sûr, ici. Hein. Pied à plat, évidemment. Hein. J'ai tout le poids du corps sur la jambe d'appui là. Voilà, ça chauffe devant et ça chauffe derrière. Hein. J'ai entamé moi ici, ça y est. Allez, allez. Encore. Il y avait 4 séries. Hein. 5, 6, 7. Allez, 8 derniers. Et vous avez vu derrière, je décolle 10 cm. Ça suffit. Hein. 3, 2, 1. Revenez. Wow. Allez. Alors vous connaissez un petit peu maintenant. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va encore rendre la séance encore plus dynamique. Avec des impulsions notamment. Attention, on a commencé, hein. Il y a un peu plus de 5 minutes là. 5-7 minutes. Donc on a le temps. Voilà. Moi j'aime bien faire des échauffements qui durent quasiment 20 minutes là, donc assez long en fait. Hein. 4, 3, on reprend le haut du corps. C'est parti les épaules. Hop. En avant. Les épaules. Et sur les côtés, c'est-à-dire à gauche. 5. En arrière, en avant, les épaules, et sur les côtés pour 8, 6, 5, 4, 3. Allez, gardez la position des jambes simplement. Rappelez-vous, on a fait tout à l'heure ça. Allez, sur les bras, hop, hop. Et donc on va pouvoir accélérer un petit peu. Allez, encore, 5, 6. On reprend les genoux alternés, c'est parti. Allez.
On y va. Cette fois-ci, je suis parti en impulsion, ça y est. Alors, je le dis à chaque fois, si à un moment donné, ça va trop vite, vous redescendez, hein, revenez au sol, sans les impulsions. Là, c'est vous qui voyez. Hein. Là, je suis pas là pour voir ce que vous faites. Le niveau que vous avez, surtout, est dans l'état dans lequel vous êtes. Hein, donc, là, c'est vous qui voyez, personnellement. Hop. Hein, ça va traîner un petit peu, là, ça va durer un petit peu en impulsion. Hein, d'accord. Allez, on reprend les genoux gauche, là-bas, c'est parti. Gauche. On saute toujours, hein. Alors l'impulsion, ça veut dire que mon pied d'appui là, il décolle du sol. Même si c'est 2 cm, il décolle du sol quand même, enfin, d'accord. Allez, 5, 6, 7, changez. 5, donc là, ventilez tranquillement. Hein. Prenez chez vous le temps d'inspirer et de souffler profondément, d'accord, c'est important. Changez. Deux et alterner devant. Bras point opposé à la jambe. Hein, d'accord. Donc genou droit, bras gauche. Et forcément inversement. Genou gauche, bras droit. 3, 2. Allez, 4 jambes droites. 4, 3, 2. Et gauche. 4, 3, 2. Et 3. Donc des mouvements. Tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, d'accord. Rien inventé. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais. Vous les enchaînez de certaines façons, de façon à ce que ce soit difficile. Attends, j'en ai fait 8 là. Et 8. Hop, hop, hop. On fait durer un peu la série. Et donc là, forcément, on va faire intervenir en plus le mollet, hein, de la jambe d'appui. Allez, on traîne encore. Attention, vous restez, vous restez. Ça veut dire deux séries ça. Restez encore. Hop, hop, hop. Aïe, 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 ça y est, ça y est, ça y est. Ouh, changez. Ouh. On le sent là, hein, dans la deuxième série. Hein. Hop, 6, 7, encore, encore. 2, 3, 4, 5, c'est parfait. Allez, encore une petite, on change. Encore une petite série sur les mollets, je voulais dire. Donc là, voilà, ça va traîner un petit peu. On part pour 3 séries. 5, 6, 7, une troisième série de 8, allez. Et là, c'est bon, c'est bon. 4, 3, 2, changez. Wow. Je ne l'ai pas précisé aujourd'hui, hein, je le dis régulièrement. Posez-moi le talon au sol, hein, d'accord, à chaque fois. Hein, la jambe d'appui, là. Pensez à me reposer le talon au sol pour soulager un petit peu ton tendon d'Achille. Hein. Allez, encore 8. Wow. 7, 6, 5, 4, 3 et 2. Tout pied alterné. Restez en impulsion. Donc là, je répète pour certains si c'est dur, on revient au sol. D'accord. Les autres, venez quoi. On est en impulsion. 4, 3, 2, sur les côtés. Allez, sur les côtés, jambes droites et jambes gauche. Donc on se tient bien, on se tient bien. Le haut du corps, on n'est pas à lâcher vers l'avant, là, surtout pas. Tenez-vous avec vos bras, hein, bougez-moi les bras. Allez, hop, hop. Très important ça, le haut du corps, la posture. Hein. Normalement, si vous faites comme moi, si vous discutez, peut-être à 2 ou à 3, hein, c'est possible ça. Je sais qu'il y en a qui le font en tout cas, hein, les cours à 2 ou à 3. Donc, eh ben, écoutez, vous êtes un peu soufflé normalement. Hein, ça commence là, c'est normal. On commence à sentir un petit peu essoufflé. Hein. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Restez sur la jambe droite. Allez, et le bras. Hein, j'indique le haut du corps en plus, comme ça, on travaille encore un peu plus. À gauche. 5, 6, 7. À nouveau à droite. Et à gauche. Voilà, c'est parfait. Allez, 5, 6, droite et gauche, on alterne. Voilà, c'est tranquille ça. Tout va bien, tout va bien. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Continuez les bras. Je les monte légèrement. Remarquez bien la paume de mes mains. Hein, vers l'extérieur du coup. Les pouces dirigés vers le bas. Du coup, je fais intervenir un petit peu mes épaules, un peu plus. Hein. Allez, encore. 8. Six,
Encore. 3 et 2 et 1 et coup de pied. Et je redescends tranquillement. Voilà, c'était la première accélération. Il y en aura une deuxième. Hein, pourquoi j'arrête un petit peu là, on passe sur les cuisses. Ok, attention pieds joints. C'est parti. Je vais à droite. Hop, et je reviens. Je vais à gauche. Un squat normal. Et je reviens. Je vais à droite. Inspire. Attention, je décompose en quatre temps là. Hein, d'accord. N'allez pas trop vite. Par contre, je descends les cuisses à l'horizontale. C'est-à-dire complètement presque. Hein. Descends. Voilà. Non, ce n'est pas un squat qu'on appelle complet. Hein, le squat complet. Quand j'ai les ischios quasiment sur les mollets là, hein, d'accord. Je vous préconise pas ça là, d'accord. Hein, vous restez, vous arrêtez les cuisses à l'horizontale. Descends, inspire, voilà, inspirez, hop. J'appelle ça des squats latéraux, hein, forcément, parce qu'on part sur le côté. Voilà, on va accélérer un petit peu tout à l'heure. Hein. Celles qui me connaissent déjà, quand je vais laisser en cours, voilà, ça fait mal un petit peu ça, et c'est cardio surtout, hein, très cardio. On attend, on va prendre encore quelques secondes là. Voilà, allez, on y va à droite, hop, on revient. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose, mais d'une façon beaucoup plus fluide. Et un, et deux, descends, hein, il n'y a plus de saccade, d'accord? Je descends, et hop. Attention, c'est un vrai squat, hein. Hein, j'ai bien le poids du corps, vous avez vu, équilibré entre les deux pieds. Clac. Hein, j'ai pas de transfert du poids de corps sur le côté, comme je vois quelques fois là. Hein, très mauvais ça, attention, hein. Allez, on l'accélère. Hop. Hop. Inspire. Souffle. Descends. À gauche. Joins. À droite. Tu colles les pieds. À gauche. Encore. Descends. Trois. Quatre. C'est parfait. Cinq. Allez. Hop. Sept. Attention, j'en fais quatre petits à droite. Allez, en bas. Quatre. Trois. 2, reviens, je dis 4, j'en ai fait 3, 2, 3, 4, c'est après, 1, 2, 3, tu reviens en soufflant, hein. 1, 2, 3, voilà, on y va progressivement, ouais, ça y est, hein, ça commence déjà à bien chauffer, hein, je pense, normalement, hein. Si vous le faites correctement, là, vous sentez bien vos cuisses, hein. Hop là, j'en ai raté un, 2, 3, et restez ici. Alors, juste une petite pause pour voir si le principe est bien compris. Hein, à chaque fois, je reviens coller mes pieds au milieu, d'accord? On va prendre les singles droite et gauche, et après, je ferai mes 4 répétitions à droite et à gauche, ok? Et là, ça va changer un peu de rythme, hein, d'accord? Profitez-en pour redescendre encore un petit peu au niveau du rythme cardiaque, si vous voulez. Dans 4, on y va. 3. Allez, pieds joints, à droite et à gauche, à droite et à gauche. Parti pour une petite série là, bien sympathique, vous allez voir. 6, allez, 7, allez, restez à droite pour 4, 4, 3, 2, et 1, oui, à gauche, ah oui, attention, et on en fait 4, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, et 4, encore, ah, ceux-là ils sont terribles, hein. Quand ils sont bien faits, à gauche, et 1, encore. Et 1, 2, et 3. C'est pas fini. 3 et 4. Allez, 1, 2, 3. Allez, continue. Et hop, hop, hop. Et une dernière fois à gauche. Et 1, et 2. On se redresse tout de suite. Allez, 3, gauche, 3, gauche, 3, gauche. Si c'est dur, vous restez au sol. Hein, d'accord. Sinon, allez-y. Allez, on maintient le rythme cardiaque là. Un bon niveau. Il fait chaud. Ça y est, les gouttes de sueur commencent à descendre. C'est normal, hein, on travaille. Allez. Donc cette série-là, on va la conserver un petit peu. Ok, on va la refaire, bien sûr, hein. Elle est efficace. Donc pourquoi pas. 4, 3 et 2. Pieds joints, à droite. Gauche. À droite. À gauche. Donc là, c'était la pause à l'instant, vous avez remarqué, hein, bien sûr. Hop, à la gauche, on revient. À droite. Et... on est reparti à 4, allez, 4, 3, 2, hop là, et 1, alors faut dire, je dois le faire, hein. Et 4, et 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, encore, allez.
Allez, 4, 3, 2, et 1. Et 4, 3, 2, encore. Allez, et 1, 2, 3, et 4. Et 1, et 2. Et restez en haut, on saute. Là, on commence déjà à récupérer quand on fait ça. C'est pas des blagues, hein, récupération active. Allez, hop. Les bras, les bras, les bras, les bras, les bras. Attention, on passe devant, coup de pied. 7, 8, et... Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. On tient, encore quelques minutes. Allez, on tient. Hop. 7, 6. On a bien senti les cuisses, là, normalement. Ah oui. Allez, pied droit, c'est parti. Et gauche. 3. Allez, bras au coude à la jambe, hein, d'accord, devant, et gauche. Et on alterne. Allez, on s'accroche, c'est parfait. On est là pour ça, j'avais prévenu, hein. Dans l'introduction, j'avais prévenu, c'est cardio aujourd'hui. On va bien transpirer, hein. Allez, reprends la jambe droite, cette fois-ci, en haut. Sans la reposer par terre. Et on tient, encore, encore. 5, 6, 7, une deuxième série. Hop, hop, hop. 4, 3, 2, changez, et donc, vous avez vu, hein, on repose plus le pied au sol. Hein. Encore, encore, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. À nouveau, alternez les bras en haut. Hop, hop, hop. Allez, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Allez, 8, 7, 6. Donc là, forcément, je vais intervenir le haut du corps. C'est encore plus cardio, hein. Allez, gardez les bras, regardez, côté, en haut, toujours les coups de pied devant, hein. En haut, côté, en haut, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7, et on continue, et côté, en haut, côté, en haut, côté, en haut, allez, les 8 derniers, 7, 6, 5, 4, 3, 2, droite, gauche. Allez, on s'accroche, on s'accroche, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. 8, 7, 6, et 4, 3, et 2. Allez, on descend. On monte, inspirez. Squat traditionnel, squat normaux. La respiration, n'oubliez pas. Inspire, inspire. On part sur les pieds joints. Oh non! Oh si! À droite. Allez, pieds joints, à gauche. Inspire. Encore. 5, 3, 6, 7, 8. Allez, 7 ici. 1, 2. Restez, 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 restez. 5, 6, 7. À gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Revenez. Encore. Allez, on est parti pour 8. 8, ça veut dire qu'on change très vite. Hein. 5. 6, 7 et 8 et 1. Allez, hop, hop, restez avec moi, restez, restez. Encore, encore. 3, 2, 3, 4. Vous les comptez si vous voulez, hein, n'allez pas trop vite. 7 et 8. Allez, ah, plus ça va, plus le saut, plus la pression est difficile. Hein. Allez, une de chaque, à droite. Et où? Il fait chaud, il fait chaud. Hop, hop, 5, 6. Une dernière à gauche, et 8, 7, 6, 5, 4, on récupère activement bien sûr, hein. Relevez. Que du bonheur, que du bonheur quand on se relève. Hein. Allez, on tire, on tire, on tire, venez, 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 venez. Allez, ça va le cœur, ça va. Hein. Là, c'est plus les cuisses qu'on a senti. Hein. Le rythme cardiaque se maintient normalement à un bon niveau. Il est normalement, pardon, assez stable, hein, tout va bien. Allez. 8 encore, 7, on redescend tranquillement, hein. 4, 3, 2, au sol, au sol. Gardez-moi les coups de pied, hein. Gardez-moi les mouvements, voilà, j'ai très très chaud aussi, j'ai le cœur qui est monté aussi comme vous, j'espère. En plus, je discute en plus, hein, pas facile. Allez, à droite, 4, 3, 2, un petit retour au calme ici, hein. Obligé à gauche, pardon, hop, hop, à droite. Gardez-moi le sourire, bougez-moi les bras, à gauche. À nouveau alterner, mais sur les côtés. Gauche, relâchez bien le haut du corps. Allez, vous pouvez relâcher le haut du corps. Encore.
8, 7, 6, 5, 4. On va laisser les points de pied au sol, comme au début, rappelez-vous. Et on relâche bien à droite et à gauche. Voilà. Alors comme tout le temps, je vous répète, quand on fait un échauffement, même un échauffement comme ça, là, on ne s'arrête pas d'un coup. Toujours, prévoyez une minute, une trente, peut-être même deux minutes. Voilà, pour redescendre tranquillement, le cœur redescend, voilà. Musculairement, on a bien sollicité les membres inférieurs, c'est-à-dire les cuisses, les ischios. Allez, c'est bien, encore un petit peu. Et relâchez. On passe au sol. Allez, c'est parti. Allez, vous avez eu le temps de, je pense, de préparer votre tapis, votre serviette qui était près de vous. Donc on enchaîne tout de suite. Voilà, le cœur est redescendu un tout petit peu. Donc là, on passe directement en gainage. Ah bah oui. Ah, moi, j'adore le gainage, vous savez bien. Ceux qui me connaissent, là, vous savez bien. Alors, on est sur les genoux. Je reprécise la position. On est sur les genoux pour venir tendre une jambe, puis l'autre jambe. Vous évitez toujours les départs au sol. Quand on est au sol, allez, on part en gainage. Non, très mauvais. On se met d'abord à genoux, on tend une jambe, on tend l'autre jambe. Allez, on y va. On va rester un tout petit peu, donc en statique, pour finir l'échauffement. Si on est quand même bien chaud, là, notamment au niveau des membres inférieurs, les jambes. Okay. Donc le gainage, vous vous souvenez, on précise très rapidement. On serre bien les abdominaux, d'accord. Et je préfère que vous ayez le bassin légèrement surélevé, comme vous pouvez voir à la caméra. D'accord, la position idéale, c'est le buste aligné. Et puis les jambes qui retombent légèrement jusqu'à la pointe de pied, évidemment. Attention, ça on évite. Ne pas lombaire creusé comme ça. Si vous avez mal, si vous creusez vos lombaires, vous aurez mal au dos. Mal au dos quand on fait du gainage, c'est pas normal. C'est que vous avez une mauvaise posture au niveau du bassin. Donc il faut bien passer le bassin qu'on appelle en rétroversion. Ça veut dire que je rentre bien mon nombril là. J'avale mon nombril. On rentre bien son ventre. On serre ses fessiers. Et on tient. Quitte à, je vous le répète, allez, relevez légèrement le bassin, c'est pas grave, c'est une sécurité supplémentaire, d'accord. Allez, on reste en place. Pour l'instant, donc en statique, toujours, on n'a pas relâché, bien sûr. Voilà, c'est tranquille, ça, vous t'habituez maintenant. Si vous avez fait les séances régulièrement, là, vous êtes habitué. Alors, la position des coudes, moi, je tiens les bras croisés, les mains devant, c'est comme vous voulez. D'accord. Ce qui compte, c'est le bras ici à la verticale, d'accord. Et le poids du corps plutôt vers l'avant, d'accord. Ça, vous allez glisser ici, poids du corps vers l'avant plutôt, voilà. Et là on est tranquille. Allez, on tient encore un petit peu. 8. Donc ceinture abdominale là. Donc il y aura devant bien sûr avec les abdominaux ici, il y aura la taille, un peu de travail sur la taille aussi, vous allez voir. D'accord. Fessier et taille, ok. Allez, encore un petit peu. 8, 7, 6, 5. On va approcher pour dépasser la minute là un petit peu, donc c'est bon. Allez, on pose un genou au sol, ou les deux. D'abord, on pose les genoux au sol d'abord. Allez, directement sur le côté. On s'allonge complètement. Ça vous connaissez aussi. Le bras en oreiller, cervical aligné. La main au sol. Allez, on décolle les jambes. On décolle les deux jambes ensemble. D'accord. Le petit coup d'œil vers le bas pour voir ses pieds. On doit voir ses pieds. Si on ne les voit pas, c'est qu'ils sont trop en arrière, c'est pas bon pour le dos. D'accord, donc un petit coup d'œil, hop là, voilà. Je vois mes pointes de pied, ok. On peut s'aider de la main ici, bien sûr, la main au sol. On prend appui, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, on sent bien le travail sur le transverse, là. La taille, c'est parfait. Alors vous remarquez, pour l'instant, vous pouvez reposer. Sur les premières séries, là, vous reposez à chaque fois, d'accord. De toute façon, d'accord, très brièvement, bien sûr. Allez, on accélère un petit peu, petit en haut, hop, allez encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, et 2, vous relâchez, tout de suite on fléchit les deux jambes, allez on ramène le genou dessus, genou poitrine, allez, les fessiers traditionnels, alors ça on fait ça tout le temps, d'accord, allez encore, on tient, hop, ça c'est tranquille, d'accord, ça va, tranquille. Allez, lui dernier déjà, 8, 7, 6, 5, on reprend les deux jambes tendues, allez, on monte, et c'est parti, allez, là-haut, tout petit, et on repose plus, allez, on repose plus, encore, allez, on va essayer les 4 séries, d'accord, encore, la troisième série, allez. Voilà les 8 derniers jusqu'au bout. Allez, on s'accroche. Ça va.
Ah, c'est trop le fil, ça. Allez, on tient. 4, 3. Tout de suite, les deux jambes fléchies. Et là, je monte la jambe dessus. D'accord. Allez, regardez. Ah, d'accord, les deux jambes fléchies pour protéger le dos. Et c'est ma jambe supérieure qui décolle et qui monte. Un petit mouvement. Encore. Voilà, donc là, on change. Hein. On sent la zone un peu plus basse, hein, d'accord. Au niveau des fessiers, notamment. Du côté de la cuisse, peut-être. Ça dépend de votre position aussi. Hein. Allez, ça, c'est tranquille par rapport à la taille. Hein. Allez, vous relâchez. On repasse en gainage tout de suite. Donc, on se met d'abord à genoux. D'abord à genoux. On tend une jambe ou les deux ensemble, si vous voulez. Et c'est parti. Ça va, ça? Allez, on fléchit les deux genoux ensemble. On y va. Fléchis, tendu. Alors attention, hein, si vous... regardez bien, pardon, votre écran. Je fléchis mes deux genoux avec la position de départ qu'on a indiqué tout à l'heure, hein, mais sans poser les genoux au sol. Je ne pose pas les genoux au sol. Hein. Et vous remarquez autre chose aussi, absolument rien ne bouge, à part bien sûr mes jambes évidemment et mes genoux que je fléchis. Hein. D'accord. C'est tout, hein. Les bras ne bougent pas, le buste ne bouge pas, le bassin ne bouge pas. Allez, on descend. On travaille plutôt sur un rythme lent, là, voilà. D'accord. On prend le temps de se placer. Donc là, la respiration est continue, bien sûr. Hein. On est en travail de résistance musculaire, là. Hein. C'est un peu compliqué, ça. Le cœur va monter aussi. Hein. Vous l'avez dit depuis le début, hein, c'est cardio. Le cœur va monter, là, hein, quand on fait ce genre d'exercice. Soyez pas surpris, le cœur monte. Allez. 6. Excellent pour la préparation physique, ça. Hein. Tous les sportifs, hein, de n'importe quel sport, doivent passer par le gainage, hein, d'accord. C'est tellement complet. Hein. Allez, 4 encore, 3, 2, et 1, les genoux au sol. Alors tournez-vous, moi je tourne carrément face à la caméra forcément, vous changez de côté, hein. On change de côté, hein. Moi c'est mon côté droit, hein. Côté gauche tout à l'heure, mon côté droit maintenant. Alors rappelez-vous, allez on décolle les deux jambes. Hein, premier exercice, rappelez-vous, première série. Je décolle et je repose. 5, 6, 7. Donc, hein, la main devant toujours. Voilà, je prends appui. Surtout, hein, pas de ça, d'accord, hein, les cervicales. Attention à votre cervicale, attention. Hein, la tête alignée, là, d'accord. Le bras en oreiller, tout le temps que je dis. Voilà, un petit coup d'œil. C'est bon, je vois les pointes de pied. C'est parfait. On se concentre. On se concentre sur cette zone-là en expirant. Hein. Respiration brève et je décolle. Voilà, c'est parfait, on sent bien. Hein. Là, on peut pas mieux travailler ici, de toute façon. Hein. Ah, voilà, vous pouvez mettre votre main ici, on sent bien, c'est très dur là. Voilà, on fait intervenir évidemment. Hein. Le transverse, je vous le disais tout à l'heure. Allez, encore 5, 6, on va accélérer un petit peu, 7 et 8, c'est parti, petit en haut. Allez, petit. Parti pour deux séries. Hein. Et encore un petit peu, allez, 8 derniers, on fléchira les deux jambes, rappelez-vous. Hein. 4, 3, 2, les deux jambes fléchies, hop, on repose complètement, sauf la jambe dessus. Allez, hein, si vous vous souvenez, voilà, ça c'est un peu la pause, hein, d'accord, on passe sur les fessiers maintenant, on descend d'un cran là, on est ici, hein, d'accord. Allez, on y va, genoux, c'est parfait, voilà, encore un petit peu, allez, hop. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, continuez encore. Continuez. Je crois que j'en rajoute une voire deux là. Hein. C'est pas grave. Hein, d'accord. Je suis la musique. J'aime bien suivre la musique. Allez, les 8 derniers. Oh, je suis même pas sûr. Je crois qu'on est bon là. Allez, à nouveau les jambes tendues. Allez, rapide tout de suite. C'est parti. Donc là, je repose plus. Hein, d'accord. Si vraiment c'est très difficile, hein, d'accord, vous pouvez reposer, hein, comme tout à l'heure, à chaque fois, d'accord. Si au contraire on est super à l'aise, faites comme moi, vous laissez la main ici le long du corps, hein, donc il n'y a plus la main pour s'équilibrer un petit peu là, pour prendre appui éventuellement, hein, d'accord. Allez, on se tient bien, attention, on reste bien latéralisé, comme on dit, hein, bien sur le côté, on voit des pointes de pied. Allez, 5, 6, 7, 8, allez, les deux jambes fléchies, et on monte, cette fois-ci. Hein, cette fois-ci, je monte ma jambe supérieure. Hein. Allez, on tient. Hop, hop, c'est parfait. Donc forcément, là, le cœur récupère, hein, évidemment. Hein. On est sur un travail de ciblage là, au niveau musculaire. On cible bien le muscle qu'on veut travailler. Hein, on l'isole, hein, complètement. Par contre, du coup, le cardio, hein, récupère un petit peu. Ne vous inquiétez pas, on va repartir en gainage tout à l'heure. Allez, encore un petit peu, là, 8, 7, 6.
6, 5, les 4 derniers, 4, 3, 2, et 1, et relâchez. On repasse sur le ventre, les coudes en place, on se met sur les genoux d'abord, ok. Allez, jambes tendues, autre jambe tendue, et on est en gainage. Cette fois-ci, j'alterne les genoux. Allez, alternez. Alternez rapide sur le tempo. Allez, droite, gauche, droite, gauche. Hein, donc, vous remarquez sans doute à l'écran, vous remarquez que j'ai à nouveau le bassin légèrement surélevé. Mes bras sont bien placés à la verticale. Hein, d'accord. Je suis bien sur mes pointes de pied. Et on bouge. Si c'est difficile, restez en statique. Hein, je précise bien, il y a différentes options à chaque fois. Hein. Tous les cours, différentes options que je propose. Hein, d'accord. Et c'est pareil aussi pour les gym d'entretien que réalise Alexandra souvent. Hein. Il y a des options tout le temps, hein, c'est important. Et prenez-en compte, hein, d'accord, si c'est difficile. Allez, 5, 6, 7, vous restez bloqué, bloqué. On profite pour se replacer un petit peu, d'accord, hein. Allez, on enchaîne une série un peu plus difficile. Là, vous allez décoller un pied et puis l'autre. Donc là, on perd un appui. Hein. On perd un appui. Donc ça va se compliquer nettement, je vous le dis maintenant, hein, vous allez voir. Je vous le dis maintenant. On a fait ça déjà, il y a une vidéo, il y a un petit bout de temps. Hein, d'accord. On a fait ça sur l'exercice là. Avec quelques variantes toujours bien sûr. Hein. Allez, on reste un pied, on voit c'est le pied gauche. Hein. Restez un pied en haut. 3, 2, 1, changez, on change. 3, 2, 1, changez. Ha. Changer. 7, 6. On ne reposera pas. Hein. Hein, on reposera pas. Juste ces deux points de pied au sol. Voilà, on change. Et regardez bien mon genou. Fléchi, tendu. Oh, ya, 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 ya. Encore 4, 4. Ça, c'est pas facile, je vous l'accorde. Hein. Hop. Et changer. Et gauche. Allez. Alors, ça tremble, hein. C'est comme moi. Hein, je tremble un petit peu. Voilà, c'est normal. Hein. Là, je tétanise complètement, hein. On tétanise sur la cuisse, entre autres. 6, 7, 8, changez. Allez, allez, allez. Accrochez-vous jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Hop. Hop. Encore, encore. 5, 6, allez. 7, 8, changez. On est bien fait, la deuxième jambe, forcément. Allez. 2, 3, allez, fléchis tendue. Attention, sans poser le genou au sol, hein. Sans poser le genou au sol. 6, 7, c'est pas terminé, les deux points de pied, rapide, 3, gauche, 3, gauche, 3, gauche, allez, on tient, on tient, on tient, on tient, normalement il fait bien bien chaud là, il fait bien bien chaud, attention à votre dos, hein. Si ça baisse un peu, oups, je rentre le nombril, allez, 6, 7, on continue, et 8, 3, 7, accrochez-vous, 6, 5, c'est la fin, 4, 3, 2, et 1, et genoux au sol. Ah, les genoux au sol, c'est que du bonheur, hein, c'est que du bonheur. Voilà, je pense qu'on a bien senti ces abdominaux. Hein. Je pense qu'on a bien senti les abdominaux. Ça va? Alors, c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Une petite série de gainage latéral pour bien finir la taille. Comme ceci, donc le coude en place. 3, 2, 1. Et voilà, comme ça, on aura bien fait le tour de la ceinture abdominale, là. On aura bien fait le tour, là. Allez, c'est bon pour le gainage latéral. Ça, vous connaissez aussi. Hein, on le réalise quelques fois. Hein, le bras à vertical. On est directement sur les jambes tendues, là. Hein. Mes pieds sont en flexion. Hein, je vois quelquefois les élèves, les pieds pointus, comme ça. Hein, vous tombez vers l'avant, du coup, on est moins stable. Donc, mettez-moi les pieds flex. Ça veut dire les pointes de pied relevées. Relevées vers l'avant, hein, d'accord. 3, 2, 1. On y va pour une série. Allez, si on peut... Venez avec moi. 2, 3, 4, oui, oui, ça fait mal ça. 5, allez, 6, 7, et on reste ici. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jusqu'au bout. Et reposez. Hop, alors on ne perd pas de temps. On passe sur les fesses, pour ma part en tout cas. Et on change de côté. Attention, on a décollé. Allez, ça y est, on est prêt. Dernier exercice, dernière série. Hein. On s'accroche. Allez, jusqu'au bout. Faites l'effort, faites l'effort. Vous avez bien chaud normalement. Ça brûle tout autour, là, partout, là.
Allez, on y va, et hop, on décolle. Si c'est dur, restez en statique, hein, restez les deux pieds collés l'un à l'autre. Ne bougez pas, mais gardez-moi cette position de gainage, s'il vous plaît. Et si c'est encore trop dur, reposez 2-3 secondes, mais revenez. Allez, du coup, je discute, je rajoute un peu, hein, c'est pas grave. 2 et 1, restez. Allez, allez, on traîne un petit peu, c'est pas gênant. C'est pas gênant, c'est que du bonheur. 5, 6, 7, allez, c'est cadeau, la dernière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, reposez. Aïe, 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 aïe. Oh, on a bien senti là, je pense. Hein. Allez, venez vous asseoir tranquillement. On a gagné, je pense, une bonne petite série de. Hein, un bon petit retour au calme. Hein. Allez, prenez le temps de boire si vous avez soif. Et on se retrouve pour s'étirer. Ça y est, on se retrouve pour cette partie plus calme, plus relaxante. Hein, d'accord. Donc, on va se concentrer sur le fait de baisser un petit peu son rythme cardiaque s'il est monté. Hein, d'accord. Peut-être que vous avez fait une pause aussi, comme ça, pour redescendre un petit peu, prendre le temps de boire. Bon, là, c'est la fin, hein. Donc on peut attendre un petit peu encore avant de boire. En tous les cas, le cœur est redescendu. Ok, on passe d'abord sur les genoux. On y est. On vient s'asseoir sur les talons, comme ceci. Allez, les bras, les mains loin devant. On a inspiré juste à l'instant et on pense à souffler tranquillement. Allez, on expire. On est venu s'asseoir sur les talons, hein, position assise sur les talons. Et on envoie les mains loin devant sans décoller les fessiers des talons. Hein, et on pense à baisser un petit peu le niveau des épaules. On redresse la tête. On va venir se mettre les mains ici derrière. On inspire et en soufflant, je décolle le bassin, je décolle les fessiers, les talons. Attention, on ne regarde pas en arrière, hein. on regarde devant soi. Quelques instants pour étirer les cuisses, pour ça. Et pour relâcher. Profite pour inspirer. Et en soufflant, je décolle quelques instants. Allez, on vient s'asseoir complètement avec une jambe devant, une jambe tendue, une jambe fléchie, on passe pas dessus. Moi, c'est ma jambe droite, c'est donc mon bras gauche qui vient entourer mon genou droit. Et là, je me redresse au maximum, la main en arrière si vous voulez. On peut regarder même légèrement en arrière si vous voulez. Du côté de la jambe qui est fléchie. Hein. Pensez à expirer. Relâchez, on change de jambe tout de suite. Inspirez, soufflez. Ah, c'est mon genou gauche, pour ma part. Donc c'est mon bras droit qui vient entourer. On inspire et en soufflant, je me grandis. Je rapproche, je colle au maximum le ventre à ma cuisse. Ou ma cuisse au ventre. Et la main dans le dos aussi. Pensez à bien souffler. Relâchez. On passe en tailleur, comme ceci. On va venir monter. Alors le bras gauche pour vous, si vous voulez. Hein. Je pose le coude droit sur ma cuisse droite et je monte le plus haut possible pour bien étirer forcément tout ce côté là qu'on a travaillé. Hein. Allez, montez. Attention de ne basculer pas en arrière. Hein. Gardez bien la poitrine vers l'avant. Et on cherche la hauteur. On cherche la hauteur en soufflant. Et vous relâchez. Inspirez. Et en soufflant, je me grandis au maximum. Un bras devant, inspirez, soufflez, rapprochez bien le bras de la poitrine, pensez à baisser le niveau des épaules, et encore une fois, ne basculez pas vers l'arrière, surtout pas, hein. Gardez bien la poitrine, le nombril vers l'avant.
je pense, hein, si vous avez tout bien fait, comme on dit, hein, vous avez transpiré, hein, comme moi, j'imagine. Voilà, l'échauffement était particulièrement intense, hein, si vous l'avez fait correctement. Changez de bras, inspirez, soufflez. Je vous rappelle que Génération Fitness, c'est pour les petits et les grands, il y en a pour tout le monde. Hein. Donc, n'hésitez pas à voir toutes les playlists, et des listes de danse, de fitness, bah, donc gym d'entretien, renforcement musculaire, et pas mal de cours maintenant quand même, hein, pour tous les niveaux de step, d'aérobic aussi bien sûr. Pour tous les niveaux, hein. Alors, regardez bien l'intitulé du cours pour voir quel cours vous pouvez débuter. Okay. Un petit clin d'œil à Décathlon, Saint-Jean, Saint-Malo et Emmanuel, hein, pour la tenue d'aujourd'hui. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, et puis profitez bien et faites du sport surtout, hein. On reste en bonne santé, ciao.